Salut les Gaunes, salut les Fenotes et bienvenue dans votre toute nouvelle émission, la Gaune Thérapie. Franchement, ça me fait trop plaisir d'être là. Ça fait des semaines qu'on en parlait, qu'il fallait qu'on trouve une vraie émission, on peut avoir un vrai dialogue avec les abonnés, avec les supporters, avec tous ceux qui suivent la chaîne. Donc d'ailleurs, je passe un salut, j'ai vu qu'il y avait Audrey qui était dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait Julien, j'ai vu qu'il y avait Franck, j'ai vu qu'il y avait Nana aussi, Oane Legrand, salut à tous les gars. Et bienvenue, comme je disais, c'est votre émission. En fait, je vous réexplique un peu le but de l'émission. Je viens d'expliquer dans une petite vidéo, mais en gros, l'équipe, c'est la ville et moi à chaque fois. Bon, là, il est en retard, mais il va arriver plus tard, vous inquiétez pas. Et à chaque fois, un chroniqueur qui va nous accompagner. Ce soir, c'est Jules Papigone. Et comme en plus, c'est votre émission, ce soir, tout à l'heure, vous le verrez, je vous le présenterai. On a un abonné qui sera avec nous, qui s'appelle Paul. Et en fait, le but de cette émission, nous, on est arrivés, on n'a pas de trame, en fait, les gars, je vous explique. Hein. On n'a pas de trame, on a juste des questions que vous nous avez posées avant l'émission. Et le but, c'est que aussi vous posez toutes vos questions en live, du coup, dans le chat. Et comme ça, on peut y répondre. Comme je disais, le but, c'est vraiment d'avoir un super échange. Donc voilà, salut, je suis avec Jules. Comment tu vas, Jules, ce soir? Ben écoute, ça va super bien, impeccable. C'est la première, donc bon, je suis content de faire la première avec vous. Ben, la ville, il n'est pas là parce que il a eu un heureux événement et donc du coup, il est un peu en retard. Donc, on souhaite la bienvenue à Kémy, un nouveau gone. Et puis, ben écoute, l'émission va bien se passer. On lui dédie l'émission. Exactement, exactement. Salut Giorgio aussi, je vois Gastromain aussi dans les commentaires. Alors du coup, alors à la base, on avait quand même prévu quelques petits thèmes et des petits thèmes qui étaient hyper intéressants. Bon, notre ami la ville est pas là, je vais pas le faire plus patienter notre ami Paul. Je vais vous présenter du coup Paul, notre abonné qui est là ce soir et surtout les gars, la prochaine émission ça peut être vous. Donc encore une fois, on remettra un petit lien sur les réseaux de Julien. Vous pourrez vous inscrire, on vous recontactera pour les prochaines émissions. Mais du coup, là, je vous demande d'accueillir ce soir Paul qui est avec nous. Salut, Salut salut tout le Paul, monde. comment tu vas? Ça va super et vous? J'espère que tout le monde va bien dans le chat en tout cas et que ça va pour tout le monde super bien avec ce bon début de saison. J'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas une saison qui marche plutôt bien maintenant et bon, en Ouh espérant là que là, ouh là là, ouh là là, il est déjà en train de lancer un débat. Ah mais attendez, 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 attendez. Mais comme je disais, la les gars, vedette, cette émission, elle la commence star. n'importe comment et c'est pas grave. Notre ami la ville qui est là. Comment ça va la ville? Oh papa, papa Gone. Bah ça va, désolé pour le retard. Je sais pas si vous avez eu le temps d'en parler. Et effectivement, les gars, bah, j'ai une bonne raison de mon retard. Voilà, super pour la première fois, les gars. J'ai Ah un baby bravo. boom. Félicitations. Merci, merci, ça fait plaisir. Donc là, on va se passer une bonne thérapie. J'ai besoin de parler là. C'est parfait. Bon, hey, la ville, ça va être quoi? Ça va être un 6, ça va être un 8, un 10, un 9? Tu vas le former à Moi, devenir quoi? je trouve, tu vois, les ailiers gauche Félicitations, et droit. JRA, dans les commentaires. Ah, merci les gars. Merci les gars, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, on est ensemble. Et moi, j'aimerais bien un gaucher, ailier droit au final. Tu vois? Histoire Ah, de concurrencer, tu vois, ok. de concurrencer Nuama, tu vois, je vois bien le truc, tu vois. Aïe, aïe, Bah, du aïe, temps qu'il entre arrive, un Nuhama, je pense que ce sera plus en concurrence. ah, ça vient vite. Ça vient Et par contre, vite. Bon, les... dernière chose, Pardon, vas-y. il n'a pas le choix, c'est un gone. Il n'a pas le choix. C'est un Ah, gone, bah c'est oui, un s'il baby te plaît. boom, Bah oui. c'est sûr. S'il te plaît, il y en a qui disent son fils va s'appeler Maxence. Pas sûr. Bon, Ah, vous voulez le prénom? Bon, si vous j'ai dit pétez. déjà. Ah, tu l'as dit? Oui. Ah, ben, fallait faire Eh péter les ouais. likes, fallait faire péter les Ah, pouces. mince. Eh ouais. Mettez les likes, les amis. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Pour ceux qui sont abonnés, évidemment, abonnez-vous, les gars. C'est votre rendez-vous. Vous viendrez à chaque fois. On se mettra. La Gaune Thérapie, on est là pour parler de l'OL en toute détente. Ça va être super. Mettez les likes aussi. C'était ce qu'on disait. Un truc, je voulais commencer. Donc, j'étais en train de présenter Paul à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je suis obligé de demander la carte d'identité, Paul. La carte d'identité, c'est 4-5 questions que je dois poser, que je poserai à chaque abonné quand ils arrivent, parce qu'il faut qu'on apprenne à les connaître. Est-ce que c'est un vrai supporter quand même, les gars? Est-ce qu'on fait monter des abonnés de qualité? Est-ce qu'on a des abonnés de qualité? Alors du coup, depuis quand tu suis l'OL, mon ami Paul? Ça a commencé sur les périodes
on va dire fast, c'est sûr, de l'Olympique Lyonnais, tout ce qui était en Ligue des Champions, 2006, 2007, 2008, 2009. Donc vraiment l'époque du Grand Lyon, là où en Ligue des Champions, on commençait vraiment à se faire un nom avec les qualifs qui s'enchaînaient. Vraiment l'époque des tout ce qui était les Juni, les Bastos, les Carou, la grosse détermination, vraiment l'équipe qu'on voulait et qui avait vraiment de la gueule, quoi. Ouais, le mec, il est né, en fait, il a suivi l'OL avec une cuillère dorée dans la bouche, quoi. Bah ouais. Il arrive au bon moment. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être bien, quoi. Ouais, clairement, c'est ça, c'est ça. En plus, j'ai un parc, enfin, j'ai, comment dire, une histoire particulière avec l'OL, au sens où j'ai une grande famille. Là, je suis né à Paris. Donc, la moitié de ma famille est pour Paris et l'autre moitié est pour Marseille. Donc, j'ai vraiment ma grande famille, en fait, qui est dans les deux. Donc, compliqué étant petit, du coup, bah, Paris, quand même, avec une grande histoire derrière, la capitale, et Marseille, on connaît la ferveur des supporters marseillais. Donc, j'ai été tiraillé entre les deux depuis tout petit. Donc, à chaque fois, l'un côté de famille qui disait soit pour Paris, l'autre soit pour Marseille. Donc, un peu compliqué. Lyon, et du coup, ça m'a fait, je ne sais pas par quel hasard là-dedans, en fait, ça fait une fusion et ça a créé l'Olympique Lyonnais. Alors, magnifique. Deuxième question. Ton plus grand match. Là, tu dois m'en citer un. C'est lequel qui te le plus émotive, celui qui t'a le plus plu. Les gars, dans le chat aussi, c'est quoi votre plus grand match de l'OL que vous avez vu? Ouais, ça a été clairement le Lyon-Marseille avec le 5-5. Hein. Pareil, hein, dans ces périodes-là. Hein. Le Lyon-Marseille 5-5, ça a été vraiment la grosse, grosse période. Pareil, je me rappelle de ce match-là. En famille, à regarder tout ça, c'était fou. Hein. C'était fou. Donc, ouais, non, clairement, ouais. Je pense que c'est vraiment le premier gros match, on va dire, moi, qui m'a fait vraiment un gros effet. Après, en parlant des matchs de Ligue des Champions aussi, le coup franc de Juni contre le Barça, enfin, tous ces matchs-là, sur la même période. Fou, quoi. Vraiment fou. Lyon AS Roma aussi, là, je vois dans les commentaires, grand match. Ouais, ça revient une deuxième fois. Lyon-Bologne, alors ça, c'est toi, ça. Lyon-Bologne, moi je connais pas ce match. Lyon-Bologne, on se fait éliminer quand même, hein. Mais bon, c'était... Ah, les gars, mais bon. Alors, et toi, la ville, ton plus grand match c'était quoi? Tiens, ton plus grand match de l'OL? Moi, mon plus grand match, franchement, je pense malheureusement en positif ou en négatif? Celui que tu veux. Parce que c'est la thérapie, voilà. Ça peut être négatif. La thérapie, tu vois, je vais parler de mes traumas, moi. Moi, je vais parler de mes traumas. Donc, on va commencer avec les traumas. PSV. C'est le Lyon-Roma, mais là où Mancini, il envoie rêver hier au cimetière. Oh là là, celui-ci m'a traumatisé. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis parisien, Paul, du coup. Et quand je suis revenu, je devais être en primaire ou un truc comme ça. Et en fait, ça avait tellement... À l'époque, on avait des trucs qui marquaient le football. Tu vois, par exemple, le but de Ronaldinho où il met la pointe. Il y avait des trucs comme ça. Et je me rappelle, à l'école, tout le monde disait « Eh ben, on va tous te faire une Mancini maintenant. » Parce qu'ils savaient que j'étais pour Lyon, tu vois. Et je faisais que de me faire trop mal. « Ouais, on va te faire une Mancini. » Donc ça, c'est le côté négatif. Et côté positif, je vais prendre un truc plutôt récent. Non, je pense que c'est le but de Pjanic contre Madrid. Avec Lissandro et tout là sur l'action. Je me suis dit, je supporte un grand club. Tu vois. C'était le moment où si on avait bien mis le jus, eh ben ça aurait pris, on serait rentré dans une autre sphère. On aurait été un club qui aurait fait peur en Europe, à un club à la Dortmund, à la Leipzig. Vous avez vu ces clubs là qui prennent un virage et qui l'ont réussi. Ouais. Et nous, du coup, je trouve qu'on n'a pas eu cette bascule. Et là, on a recyclé et on va arriver là encore dans un ou deux ans au point de bascule. Et si on réussit, là, on fera peut-être partie de ça. Voilà. Ouais, tu y crois, toi. Lyon-Inter, ça, c'est le premier match aussi qui fait basculer l'OL un peu dans l'Europe. Hein. Le Lyon-Inter, ouais. Alors, vas-y, troisième question. Est-ce que tu as déjà été au stade, Paul? Ouais, alors pas beaucoup de fois, une seule fois, et c'était à Gerland, et c'était Lyon-Paris sur le but de Ferry, quand on gagne 1-0. Ok. C'était la ville, toi, je sais que t'es déjà allé aussi plusieurs fois. Bah ouais, moi je suis allé à Gerland. Deux, trois fois. J'ai vu que des bons matchs en plus. Hein. C'était genre un Toulouse-Lyon, 3-0. Il y avait Fekir. Enfin, j'étais amoureux de la ville. Il y avait Fekir et Ghezal sur le terrain, donc t'entendais des ish-ish depuis les tribunes, c'était parfait.
T'entendais des ichis depuis les tribunes, c'était parfait. Et récemment, le dernier truc que j'ai fait, c'était Lyon. Punaise, je crois que c'était Lyon-Lille. On gagnait 1-0, but d'Alex, je crois. Et du coup, c'était cool parce que c'était la première fois que je venais depuis que j'étais sur la chaîne. Et on a une commu de fous malades parce que, parce que en fait, les gens, ils ont commencé à prendre des photos avec moi. J'étais aux chiottes et on me dit ouais, excuse-moi, c'est pas la ville. Je dis, oh putain, ouais, c'est pas, tu On va vois. avoir les Et photos du coup, aux toilettes. Ouais, mais dès l'hôtel et tout, c'était archi cool. Mais les gars, on est ouais. ensemble. Hein. Donc, j'ai dit, ouais, vous voulez prendre une photo avec ma tronche? Ben, je suis personne, moi. On supporte le même club. Donc, on a commencé à kiffer. Donc, ouais, je vais au stade et j'aimerais aller au stade plus souvent avec le petit. Ouais, évidemment. Et toi, Jules, vas-y, dis-moi ton plus grand moment, parce que je sais que tu as vu plusieurs matchs, toi aussi, dans le stade. Ton plus grand match que tu as vu au stade? Ouais. Ben, moi, franchement, le Lyon-Roma avec le but de Lacazette, j'étais pile en face. C'est un truc de Oh fou. là Je là. l'ai vu partir. Je l'ai vu partir. J'ai vu arriver pleine lucarne, tout droit sur moi, quoi. C'est-à-dire, s'il y a pas la cage, je prends le ballon dans les mains. C'est un truc de fou, ça. Et ça m'a marqué à vie. Et après, dans la foulée, c'était Lyon-Toulouse avec le but de Depay de 50 mètres, là. Oh bah oui. Aussi. Voilà. Ça, Je c'est l'ai un truc fait qui sur m'a les marqué réseaux toute la la semaine même semaine. dernière. Il est De extraordinaire quoi? ce but. Hein. Je Attends, l'ai tu vu y sur étais les au réseaux la stade à ce semaine moment-là? dernière. Ouais, j'y étais, ouais. J'étais au stade, c'était au Groupama. Oh, la Ouais. folie, la folie, la folie. Donc ça, c'est les deux matchs que j'ai vus. Après, pour moi, un des plus grands matchs, c'est le 3-0 Lyon-Real. Là. Et celui en plus où il y a Juninho qui rate un pénalty, on peut leur mettre 4-0. Ouais. Et avec le but de Wiltord et tout, enfin bon, Extraordinaire. c'est Extraordinaire. l'époque où on battait le Real tranquille, quoi. Exactement. Bon, les gars, là, je voulais Maintenant. une première question dans le chat. On met les pieds dedans, les gars. Est-ce que vous pensez qu'on va redevenir un grand club là, avec la restructuration, John Textor, tout ça, la Frio, Prud'homme, Pierre Sage aussi qui est là. Est-ce que vous avez l'impression que là, on est en train de prendre, tout à l'heure, tu parlais de virage la ville, est-ce qu'on est en train de prendre du coup là, le virage pour redevenir un grand club? Tiens, Paul, vas-y. Moi, je pense que oui. Et je pense que le virage qui fera qu'on redeviendra un grand club, ça sera de gagner la Coupe de France. Parce que clairement, Ok. je pense qu'un trophée nous fera vraiment reprendre conscience, c'est peut-être pas le mot, mais vraiment se redire qu'on est vraiment un grand club. Récupérer un trophée, ça fait quoi? C'était 2012, la dernière fois qu'on a gagné quelque chose. La Coupe de France, c'est 2012, dernier trophée. Je pense que si on reprend un trophée, ça nous remettra vraiment dans une autre dimension pour l'année pro. Et clairement, après, Donc, tu trouves pas, Paul, excuse-moi, tu trouves pas c'est un peu tôt quand même? C'est pour un se dire peu pour la tôt, je trouve. Hein. bah, clairement, non, enfin, faut qu'on passe déjà la finale, enfin, du moins passer en finale bah, de Valenciennes, et on sait que dans le foot, tout peut Non, arriver. attends, excuse-moi, je précise mon propos pour que tu puisses réagir. En gros, ce que je dis, c'est que même si on se qualifie, pour moi, ce qui fera de nous. Enfin, ce qui nous ramènera dans un point de bascule, c'est déjà faire une campagne, tu vois, en Europe, rejouer des Eh matchs ouais, européens, tu vois. J'ai un... exactement. voilà, tu vois. J'ai même pas lu, je t'assure, j'ai même pas triché. Une Non, mais tienne, t'es. Jules, tu Parlais mets des pour revenir. lunettes à chaque fois, ça me fume. Du moins, Peter Bosch. non, je vois rien. Je suis d'accord, mais pour revenir en Europe, il faut déjà être performant du plus ou moins en Ligue 1 et gagner un titre et passer. Donc, pour Ouais, mais la du coup, est-ce que bascule, pour toi, c'est passer à est-ce la que Coupe de pour toi, France. par de. Excuse-moi, est-ce que pour toi, en gros, faire des bonnes performances en Ligue 1, ça fait de toi un grand club? Je suis pas sûr, tu vois. Non, mais il faut bien revenir en Europe, il faut bien goûter un petit peu en Europe, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il faut au Ouais, moins je suis d'accord. une troisième place pour gagner, au moins, enfin, du moins passer en Ligue des Champions. 4-5e pour être en Europa. Donc, du coup, ça fait qu'au moins, il faut que tu sois dans les allez, 5 premiers au moins pour pouvoir ensuite performer en Coupe d'Europe. Quand on était en Coupe d'Europe, dans tous les cas, on savait qu'on arrivait à performer. C'est pour ça qu'on était assez reconnus. Je ne sais plus, on a combien de qualifs en 8e de finale de Ligue des Champions. Je crois qu'on a 8 ou 9. C'est quand même assez énorme par rapport à d'autres clubs. Donc, ouais, donc je pense qu'effectivement, il faudra qu'on repasse là-dessus. Après, quand je parlais de Coupe de France, tout ça, je parlais surtout pour cette année. Au moins de sauver un petit peu les meubles Ouais. cette année. Toi, Jules, du coup, t'en penses quoi, du coup? Parce que je sais Bah, que, moi, je alors, pense on va qu'on pas a. vous le cacher. T'as juste un truc, on va pas vous le cacher. Quand on était au fond du trou, là, quand là, il y avait vraiment besoin de grosses gones thérapie, là, où on devait tous se parler, Jules et moi, on était les seuls à croire en Textor. On était les seuls à y croire. Oh Et non, on non, était les arrête, seuls à arrête. dire, Moi, ah non, j'y la ville croyais. aussi, c'est vrai. C'est vrai, la ville aussi, Mais c'est je vrai. croyais qu'on On allait était les seuls. descendre. Mais je croyais qu'on allait descendre. Voilà. Voilà. Mais nous, on Par était les seuls contre. à dire qu'on n'allait pas descendre. Et. C'était pas écoutable, évidemment. Tu vois. C'est Et du coup, pour est-ce que ça que je tu venais penses plus que sur la celui-là, chaîne, tu vois. moi.
Tanguy, il met un bon commentaire, je suis assez d'accord en fait, ça rejoint un peu ce que Paul disait, c'est qu'au final, vainqueur de Coupe de France, t'arrives direct à l'Europe. Et ça peut du coup te relancer dans une bonne dynamique. En plus, c'est une Coupe d'Europe où on ne recommence pas direct Ligue des Champions, ça va être très compliqué, tu vois. Où tu peux peut-être déjà passer la poule et du coup refaire une réécrire un peu ton histoire européenne. Je te laisse parler, Jules. Ouais, donc je disais, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres clubs, c'est que on est déjà un grand club. Et le fait d'avoir déjà été un grand club, c'est un peu comme, bon, attention, toute proportion gardée, hein, quand Milan s'est écroulé il y a quelques années, là, et qu'ils sont remontés. En fait, les grands clubs, quand ils baissent comme nous, là, ça fait 2-3 ans, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 3-4 ans, on était en demi-finale de Ligue des Champions, juste comme ça pour rappeler. Hein. Donc, on a chuté là les 3 dernières années, mais si on remonte, il nous suffit d'une étincelle. Et cette étincelle te fait redevenir un grand club. Parce que si tu gagnes la Coupe de France, comme il dit Paul, et qu'année prochaine, en Coupe d'Europe, tu vas en demi, en fait, on dira, ah ouais, c'est Lyon. C'est un peu comme l'Ajax. L'Ajax, ils ont disparu à un moment donné. Et puis, ils sont revenus, paf, demi-finale de Ligue des Champions. Les grands clubs, ils meurent jamais, en fait. Ils ont des mauvaises passes, mais ils renaissent assez facilement. Je pense que nous, on est en train de renaître, là. Mais on est déjà un grand club. C'est pour ça qu'on va le redevenir. Parce qu'en fait, on a toujours été. Donc, enfin, toujours été depuis les années 2000, on va dire. Donc, on va continuer. Donc, moi, je m'inquiète pas. J'ai vu cette question très rapidement. On va pouvoir y répondre parce que je sais qu'on en a parlé un petit peu. Et Jules a quelque chose à nous dire sur l'arrivée de Gerlinger. J'ai vu aussi que Nenan avait posé la question. Gerlinger, les gars, juste pour vous expliquer qui c'est un mec qui a bossé Bayern avant dans tout ce qui est aspect juridique, administratif, ces choses-là. Et qui va en fait être un peu le bras droit de John Textor. C'est-à-dire que c'est le gars, il va être là pour vraiment structurer tous les clubs Eagle et la Galaxy Eagle. Du coup, juste pour répondre à cette question, je sais que Jules t'a demandé un peu quelques infos. Dis-nous un peu ce que t'avais par rapport à ça. Ouais, parce que moi, je me doutais qu'il y aurait cette question. Et comme je ne connais pas trop, nous, on a un spécialiste sur la chaîne qui s'occupe un peu de regarder comme ça, c'est Lucas. Donc moi, j'ai contacté Lucas, je lui ai dit, Lucas, il y a un nouveau gars qui arrive là, il vaut quoi ce mec? Il est bon, il est pas bon, on entend qu'il vient du Bayern, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, ce mec, il a fait 18 ans au Bayern de Munich en tant que conseiller juridique, responsable de tout ce qui est règles, règlements, lois. Et je pense que prendre ce mec-là, déjà, un mec qui vient du Bayern, même celui qui récure les toilettes, moi, je le prends. Hein. Attends, papy, si j'écoute bien, c'est le Vincent Ponceau du Bayern, quoi. Ouais, mais enfin, peut-être encore plus costaud. Ah, mais non, mais du Bayern. Ouais. Ah, oui, voilà, du Bayern, c'est ça, c'est ce que je disais, quoi. Entreprendre le mec qui nettoie les toilettes de Clermont ou celui qui nettoie les toilettes du Bayern, je pense que c'est du Bayern. Je suis à peu près tranquille que le mec, il va bien bosser. J'en permets, parce qu'on est sur la thérapie, je te coupe un peu, excuse-moi, papy. Les gars, pour ceux qui savent pas, bon, je suis parti un peu en inside à Munich il y a quelques temps, et pour vous dire, Munich, c'est la structure, c'est pas des rigolos. C'est vraiment pas des rigolos. Ça veut dire que quand je vois comment un joueur à son arrivée, et je pense que d'ailleurs, Eagle, on ne se rend pas compte à quel point Eagle est en train de restructurer le club en termes de professionnalisme. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais avec un joueur, et quand j'ai vu la structure qu'il y avait autour du joueur, c'est-à-dire qu'ils ont des nounous de A à Z, on les prend en charge, on connaît leurs envies, leurs trucs, c'est vraiment un truc. En fait, le joueur, son seul problème quand il arrive au Bayern, c'est le terrain. Ça veut dire que toute la structure, elle est mise en place pour que limite même manger, il ouvre la bouche, on lui met la béquille. Voilà, c'était juste pour vous dire. Donc si le gars, la Gerlinger, il sort de 18 ans de cette structure-là, Déjà, le mec, les 10-15 dernières années du Bayern, elles sont extraordinaires. Ils sont quasiment en demi-finale de Ligue des Champions tous les ans. Ils gagnent 10 années de suite leur championnat. C'est très, très fort. En fait, il a 50 ans. Il a que 50 ans. Donc, pour moi, c'est un jeune. Hein, c'est un vieux. Donc, il a que 50 ans. Le mec, il a fait 18 ans au Bayern Munich. C'est vraiment un spécialiste de tout ce qui est juridique. C'est-à-dire que lui, quand on va dire, il y a un mec, il est prêté par Molenbeek à Lyon, qui est passé par Botafogo, il va te dire, t'as le droit ou t'as pas le droit. Mais s'il te dit, t'as le droit, t'es tranquille. Donc, je pense qu'un mec comme Textor, qu'on prétend qu'il y connaît rien, qu'il fait des trucs, qu'il part en live, que des fois, il peut se tromper. Avec un mec comme ça à côté de lui, il va pas se tromper. Parce que l'autre, il va dire, hop, 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 ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit. Donc, on sera tranquille. Et ce mec-là, il vient d'un truc qui est… Je ne sais pas s'il y a plus… comment dire mince, les Allemands, c'est hyper strict. C'est voilà. Carré. Ouais. C'est hyper strict, c'est hyper carré, quoi. Le mec, il vient de là, quoi.
Le mec, il a été formé à la mode allemande, quoi, à la mode Bayern Munich, c'est un truc de dingue. Donc pour moi, d'après ce qu'on me dit, hein, le mec, c'est un champion dans son domaine. Donc là, on a récupéré un mec de grande qualité, quoi. Et puis c'est un mec aussi qui est politique, hein. Il bossait pas. Tu nous as expliqué que, enfin, Lucas t'avait expliqué que c'est aussi un mec qui était pas mal dans la structuration de l'ECA. L'ECA, c'est en gros Oui, le oui, oui. gros club européen, ceux qui Il était vice-président. prennent. C'est les mecs les plus influents. Il était vice-président de ça. Donc, ça veut dire qu'il connaît tout le monde le Il connaît. connaît tout le Donc monde. ça veut dire que tu te fais respecter en fait quand t'as des mecs comme ça. C'est comme quand il a mis Prud'homme président en fait. Prud'homme, il est connu de tous les médias, il est connu de tout le monde en France. Il a une énorme légitimité. Donc voilà. Tiens, une petite question là de Audrey Sapé. En plus, Audrey Sapé. Quand même, on l'embrasse, elle passe tout le temps sur la chaîne, elle regarde tous nos lives et tout ça. Donc, gros bisous à toi, Audrey. Question très simple. Quelle place en championnat, les gars, dans le chat, donnez-moi aussi votre impression là. Vous pensez qu'on va aller où là? Fin de saison. Si on regarde un peu les derniers matchs, il y a des gros matchs, hein. Il y a encore Brest, il y a le PSG, il y a Monaco. Il me semble qu'il y a un Lille aussi, je crois. Paris, Ouais, je ouais, crois. ouais. Donc il nous reste quand Ouais. même beaucoup, beaucoup de gros matchs. Où est-ce que vous nous voyez du coup? Sachant qu'on a pas mal de points de retard sur Lens. Il y a Lens qui est devant nous, il y a Rennes, il y a Marseille Nice. et à Reims. Et Nice. Enfin, qui sont vraiment là pour la sixième place, tu vois, jusqu'à la sixième place. Mais en gros, septième place, c'est après Lens. Où est-ce que vous nous voyez finir? Je vois Lucas là, il nous dit septième. Ouais, il y a du huitième, il y a du septième. Bah, je vais commencer. Ou Paul, tu veux te lancer ou quoi? Non, vas-y, je t'en prie. Ok, bon, bah, j'y vais. Bon, moi je grille les priorités, moi j'ai pas de soucis. Mais plus sérieusement, en fait, je pense que les équipes qui sont devant nous, c'est dur. Hein, à trois. C'est Papy qui, d'ailleurs, s'est bourré le crâne parce que il m'a donné une théorie qui s'est affirmée vraie. Jusqu'à il me parlait plus, il me boudait parce que il m'avait fait comprendre et moi je ne croyais pas qu'on était mathématiquement en dehors du maintien. Mais en fait, autant il m'a fait comprendre que ça va dans un sens, autant dans l'autre. Quand c'est pas une question de points, c'est une question d'équipe qu'il y a devant toi. Et du coup, t'as vu comment j'ai retenu, papy? C'est ça, Et tout du à fait coup, raison. t'as trois équipes devant toi qui en plus ont quand même une dynamique à part assez assez correcte. Donc du coup, passer devant, ça va être chaud. Moi, ouais, je suis un peu comme les gars du chat, hein, les gars, on est un peu ensemble. Hein, je nous vois finir huitième. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est que du fait qu'on comprenne que on n'a pas grand-chose à aller chercher en haut, mais en fait qu'on commence à travailler pour l'année prochaine. C'est-à-dire que même dans les choix de compos, dans les choix des joueurs qu'on met dans le groupe, en dehors du groupe, tu vois, si t'as tel joueur, tu veux, tu sais, l'année prochaine, je sais pas, si on a prévu de vendre Tolisso, je sais pas qui, je sais pas qui, qu'on les fasse rentrer. Mais que les titulaires, ça soit, tu sais, des mecs comme Fofana qui rentrent, qui jouent beaucoup, des mecs comme Orban, c'est ça que j'aurais comme choix. Je fais la passe à mon gars Paul. Paul. Bah écoute, à peu près pareil, 8 ou 9e. Après, clairement, je reviens un peu sur la Coupe de France, mais même si on finit 10e et qu'on gagne la Coupe de France, pour moi, ça sera quand même. Je dirais pas qu'on aura fait une bonne saison parce que dans tous les cas, on Oula. mérite pas et on doit pas être à cette place-là. Ouais, je Je relance un peux pas petit jouer débat. là-dessus parce qu'on a un sujet derrière. L'émission va durer 2 heures. Ça devait durer 45 Mais minutes. On est déjà à clairement, 45 minutes. au vu de tous les détracteurs, tous ceux qui disaient qu'on devait finir en Ligue 2, qu'on devait clairement. Finir, voilà, être relégué, vraiment une saison qui devait être complètement pourrie. Si on finit dixième, donc en plus ou moins milieu de tableau, et qu'en plus et qu'on gagne une Coupe de France derrière, franchement, on aura quand même battu déjà le record de pas se mettre en Ligue 2 avec autant de points à telle journée. Et en Mais plus, on c'était un finit avec un miracle, quoi. trophée, ça fait plus de 12 ans qu'on n'a pas eu de trophée. Donc clairement, je voyais quelqu'un dans le chat justement qui disait si on Mais pourrait être neutre. la place au championnat, tu nous vois combien là, au vu des derniers Moi, matchs? je Ouais. disais justement, j'ai vu des commentaires et tout, et un peu comme l'a vu tout ça, 8-9e, je suis plutôt d'accord. Mais c'est pour ça que je disais, si on finit 10e et qu'on gagne une Coupe de France, je verrais pas ça comme une saison ratée, pardon. Voilà Excuse-moi, pour mais moi. même Thiago, tellement Thiago il est défaitiste, il a mis son mercato, t'es en Ligue 3. Donc là, profite. Laisse tomber. Comment fait-il? Arrête, il s'est rectifié, mais tellement il est défaitiste, Ah son mais doigt c'était mieux même. il On le garde comme ça ce commentaire, il est mieux. Il est mieux, il est mieux, il est mieux. Et toi, On va faire un bon tu nous mercato, vois ouais. combien? Tu nous vois combien? À qui tu parles? À toi. À toi. Ah, Tu ouais, parles j'ai à pas qui? entendu, Tu parles à excuse-moi. qui? Je croyais que tu parlais à Paul.
Non, moi, c'est simple. Moi, c'est la théorie qu'a expliqué la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de points qui nous sépare du septième, mais c'est le nombre d'équipes qu'il y a entre nous et le septième. Parce que peut-être que le septième d'aujourd'hui, on va le dépasser. Mais lui, il sera également dépassé par l'huitième et le neuvième. Donc, en fait, on restera à la même place, on va avancer en même temps que les autres, et on va en être dépassé un, donc on va se retrouver le neuvième. Il y a trop d'écart. On imagine, nous, on fait du 2 points par match actuellement. Il y a 8 matchs, on va prendre 16 points. Le mec, je crois que le septième, il est 9 points devant nous. Il faudrait qu'il en prenne que 7. Mais c'est pas possible, il va pas prendre que 7 points. Ou alors c'est qu'il s'écroule, mais en tout cas, Et les on deux autres joue qui le beaucoup suivent, de ces équipes. ils s'écrouleront pas. Donc on va en dépasser peut-être un, si on a de la chance. Deux, il faudrait que Nice et Marseille s'écroulent, ou Rennes. Je les vois pas s'écrouler. Peut-être un, mais pas deux. Donc neuvième au mieux, huitième, mais au mieux. Donc en fait, il faut toujours jouer sur la Coupe de France. Là, neuf, Moi, dix, huit, neuf, dix. Mais je pense qu'on je... descendra pas. Là, comme on est, on redescendra plus. Non, c'est impossible. Moi, je pense qu'on va finir dans 9, 10e place. Parce qu'en fait, bon, il y a un truc, c'est clair, on va faire all-in sur la Coupe de France. Je pense que ce qui va être sympa, c'est que vu qu'on est mathématiquement quasiment sûr d'être qualifié, il nous faut vraiment une victoire et c'est bon. Donc là, imagine, on gagne Reims. Après, on est en roue libre. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont peur de rien. Et donc là, on peut aussi être une équipe qui est hyper dangereuse. Mais du coup, on est peut-être une équipe qui va aussi prendre des buts parce qu'on va jouer hyper offensif. Je pense qu'on va se régaler en fin de saison. Franchement, j'espère. Je nous le souhaite. Mais je pense que ça va être. Je pense qu'on va pas réussir à monter parce qu'en effet, il y a trop d'équipes devant nous et ça va être compliqué. Les gars, dernier sujet, vraiment dernier, parce qu'après, on va passer à la surprise. On va passer à la surprise après. Du coup, il y a On eu a les la photos l'Inter. du petit de la ville. Non. C'est le petit de la Même ville moi, qui vient faire le chat. je Le, on a eu l'interview de Frio. Là qui a été posté il y a 2 jours. Merci Lucas, franchement ça fait plaisir ton commentaire. Merci beaucoup. On a eu l'interview de Frio, les gars, je sais pas dans le chat si vous l'avez vu, c'était hyper intéressant. Et il y a un moment donné, il lui pose la question de Pierre Sage. Et Frio, il répond bah, clairement, Pierre Sage, on ne le prolonge pas maintenant, on fera un bilan en fin de saison. Là aujourd'hui, les gars, je vous pose la question, je sais, on peut attendre la fin de saison, je vais pas demander à Thiago ce qu'il nous dira, on verra. Mais du coup, je vais vous demander à vous, les gars, de vous mouiller. On fait quoi l'année prochaine avec Pierre Sage? Et deux questions, je vais vous poser deux questions. Qu'est-ce qu'on fait avec Pierre Sage pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous pensez que le club va faire de Pierre Sage? C'est deux choses différentes. Vas-y, on va commencer par Jules. Tiens, vas-y, Jules. Moi, si je suis logique, je conserve Pierre Sage et je pense que le club va conserver Pierre Sage. J'ai Ok. répondu à ces deux questions. Très bien. Vas-y, vas-y, la ville, à toi. Et après, on pourra peut-être argumenter un peu si on n'est pas tout à fait d'accord. Je pense que le club, bah, la même. Hein. Je pense qu'ils vont le garder. Et je pense que Ouais. la deuxième question, c'est est-ce que moi je le garde, c'est ça? Oui. Bon, moi je le garde. Mais j'expliquerai après pourquoi. Vas-y. Et toi, Paul? Moi, je le garde aussi. Par contre, j'ai peur que le club, justement, si on repart un petit peu sur cette dimension européenne, choisisse un entraîneur libre ou autre, ou arrive à dénicher un entraîneur de renom pour justement avoir ce parcours européen derrière. Et Et exactement ça. On ça, en a on en parlé parlait. J'aimerais avec que Pizzi tout à l'heure. Jules puisse en parler parce que justement, on en parlait. C'est vrai que John Textor, il s'entoure de top quand même. Quand il va chercher Prudhomme, quand il va chercher Lagerwinger, il a une idée quand même. On a l'impression qu'il veut vraiment faire en sorte que ce soit un grand club, tu vois. Et pour tous les clubs de Eagle. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On se disait, est-ce que c'est vraiment ça que voudra aussi John Textor? Je sais pas. Vas-y, parle un petit peu, Jules. Jules t'en parlait très bien Bah moi, de écoute, ton de équipe. l'expérience que j'ai, de ma toute petite expérience que j'ai, puisque je viens de naître il y a 2 jours, moi je me rappelle que Bernard Tapie, il a dit, pour être un grand club, il faut avoir un grand entraîneur avec un grand nom pour que quand un arbitre il prend une décision, il sache que si jamais il se trompe, on va dire il a volé tel entraîneur. Et il a pris Beckenbauer. Quand QSG, enfin, le Qatar est arrivé au PSG, ils avaient Camboiré qui était premier du classement, ils l'ont enlevé, ils ont pris Ancelotti. Je veux dire, à un moment donné, les mecs qui veulent passer dans une autre dimension, eh ben, je pense que c'est ce que n'a jamais fait Jean-Michel Aulas, c'est prendre un Ah, grand non. entraîneur. Et il faut que tu sois respecté en Europe. Voilà, le penalty sur Lindemar, tous les trucs comme ça.
si t'es pas respecté, tu te fais avoir. Et on le voit en Ligue 1, les petits clubs qui sont pas respectés, comme Brest, comme machin, la Brest sont deuxième, ça dérange qu'ils soient deuxième. Et ben, peut-être que, à la fin, ça va se jouer entre Brest et puis Monaco, et peut-être que Brest, eh ben, ils vont avoir un pénalty contre eux qui va pas être tout à fait logique. Et puis Monaco, ils auront un pénalty pour eux qui va être logique. Et Brest va sortir la Ligue des Champions. Et ça, c'est pénible. Donc, pour être, crédible, il faut que tu aies des noms. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Textor. Il prend des noms, il prend des gens reconnus au niveau européen, au niveau international. Et je suis désolé, mais on prend l'exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Lens, Frank Hayes, là, je suis désolé, il est reconnu de qui? Bah, à part les Lensois, puis maintenant les Français, personne ne le connaît. Quand il arrive en Europe, il est connu par les mecs de Liverpool. De quoi? Il est suivi par les mecs de Liverpool, je ne dis pas qu'ils vont le prendre, mais il apparaît dans les recherches. Ce que je veux dire, malgré tout, il est en train de se faire un nom, mais il n'est pas… C'est pas grandiose. Donc, je pense que malheureusement, si tu n'as pas un grand entraîneur de renom, je précise, tu restes à ta place. Et nous, c'est ce qu'on a fait pendant des années où on nous disait « vous allez gagner, vous allez gagner ». Et on ne gagne pas parce qu'on n'a jamais eu un entraîneur de renom. Et même un entraîneur de renom, il te donne la confiance. Il donne la confiance aux joueurs. Il a déjà gagné une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions. Nous, on a toujours eu des entraîneurs qui n'avaient rien à part Houllier, mais c'était le seul. Et il a fini par arrêter lui-même. C'est dommage parce que je pense qu'avec lui, on aurait peut-être pu gagner. Mais sinon, oui, donc j'ai bien peur que cette théorie du grand entraîneur, bah, Pierre Sage, il risque de passer la trappe alors que c'est un très bon entraîneur. Mais c'est pas un grand entraîneur. Bon, je peux aller à l'encontre. Juste un truc, la ville. Je suis très content que Thiago se livre un peu. Ça sert à ça, la thérapie. On est content de savoir que tu rêves de Sergio Conceição tous les soirs. Et que tu aimerais donc te faire engueuler par Sergio Conceição avant d'aller dormir, c'est ça qui te fait. Je note que Thiago est 100% d'accord avec moi, ça n'arrive jamais. Ah, il va faire encadré, un la Olas, on m'a piraté mon compte s'il va faire une Olas. Non, mais tu connais, dans la thérapie, les gens se livrent. Hein. En fait, Thiago, il a toujours été d'accord avec toi, mais il est bien. Il ne le disait pas jusqu'à présent. Non, je vais un peu aller à l'encontre de Jules et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Premièrement, prenons Pierre Sage. Parlons de Pierre Sage un petit peu. J'ai vu un moment un commentaire, je ne sais pas dire le nom, mais qui disait que c'est vrai qu'il y a eu des choix qui étaient discutables dans le début de compo. On peut se poser des questions des fois sur des styles de management, mais honnêtement, ça fonctionne. Moi, pour moi, Pierre Sage, j'aime bien le comparer à Didier Deschamps. C'est le genre de coach ou à Rudy Garcia. À l'heure actuelle, c'est le genre de mec où des fois, tu comprends pas. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est des mecs qui gagnent. C'est le football pragmatique. Il a pas encore mis en place son jeu. Tu vois, il n'y a pas un jeu léché. C'est pas des idées de fou malade à l'heure actuelle. Ouais, pas à l'heure actuelle, mais il en a. C'est là où je suis pas d'accord. Mais c'est pas un méchant. C'est un mec qui prône la tactique. Il la met en place. Ça se voit, on a des ressources. Rudy Garcia, tactiquement, c'est une bête. Hein. Ouais, mais humainement, c'est pas du tout les mêmes mecs. Tu vois, par exemple, un truc que dit toujours Sage, c'est il dit en fait, dans mon métier, il y a un truc que tu peux pas faire, c'est tricher. Si tu dis quelque chose, tu dois le faire. Et, ouais. Et l'autre, c'est, j'ai perdu son nom, excuse-moi, c'était pas le cas, tu vois. Donc, ouais. Ça, je peux comprendre. Après, ce que je veux faire transparaître, c'est que on peut discuter de l'homme, mais il a les résultats. Exactement. Ensuite. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc. Même si on veut devenir un grand club, on est sous pavillon américain. Et en fait, l'American Dream, c'est quoi? Eux, c'est du pragmatisme. On s'en fout que tu es le vendeur de hot dog. Si tu es bon, tu rentres sur le terrain. C'est ça, les États-Unis. Les États-Unis, c'est tu es bon, tu joues. On s'en fout de ton salaire, on s'en fout de ton truc. Si on peut te. Enfin, c'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, un peu l'American Dream. C'est en mode. T'as des talents, t'as des trucs, on te voit, et puis du jour au lendemain, tu peux être de clochard à superstar parce qu'en fait, t'es performant dans quelque chose. Et je pense que aujourd'hui, Textor a amené ce côté-là aussi où il s'entoure de noms, mais il s'entoure de mecs performants. Il fait confiance à des mecs performants. Un mec comme Pierre Sage, c'est Textor qui est parti le chercher. 100%. Un mec comme O'Brien. Textor, Pierre Sage. Voilà. Un mec comme O'Brien, c'est Textor qui est parti le chercher. Pareil, oui. Et c'est des mecs qui sortent de nulle part. Mais en fait, quand il les voit, c'est pareil, c'est comme Maitland-Niles, il est au fond du trou quand il va le chercher. Hein. Tout le monde dit, Maitland-Niles, nanana. Il fait 2-3 matchs bizarres. Et ben voilà, je les ai vus sur toutes les radios mainstream, là, à cracher sur Textor, sur ses choix. Eh oh, c'est les impôts, là, les mecs. On y est là. Faut régler la note. Et du coup, hein, vas-y.
Non, moi j'allais dire, je suis totalement d'accord avec le commentaire de Marc-Olivier, que c'est exactement ça en fait. Une des grandes forces de Sage, c'est qu'en fait les joueurs, ils ont vachement progressé quand même. On Ah, a mais attends, vachement progressé, on a pu aborder j'ai les joueurs précisé que Pierre Sage, c'était un bon entraîneur, un très bon entraîneur. Moi, je le moyens. garde. Mais ce n'est pas un grand nom, ce n'est pas un entraîneur vraiment. Mais Les gars, les moi gars. je pense que. Ouais. Désolé, la ville, il faut qu'on avance un tout petit peu. Attends, je Même finis. si c'est la bonne Ah, c'est thérapie, rapide. j'ai Oh, bien mis j'ai le payé psy ma séance. 72 euros de l'heure, les amis, 72 euros. Allez, vas-y, finis ta séance. Parce que Vas-y, après, j'ai je veux payé qu'on le ma parle séance. aussi. Je veux Oh, qu'on le parle et après, oh. il y a Monsieur Ken qui doit monter. Donc c'est C'est pour vrai, ça. c'est vrai. Mais du coup, donc pour finir assez vite, c'est que ouais, au final, je trouve que bon. Attends, c'est pour ça que je disais la seule chose que j'aime pas en parlant. Ah, ok, je comprends, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est sur le, en fait, on est sur le pragmatisme aujourd'hui à l'OL. Je pense que ce soit la direction qui ait donné les mains libres à un mec qui n'a jamais entraîné, qui lui a dit que si tu veux, tu mets Tolisso sur le banc, tu mets truc sur le banc, tu mets je sais pas qui sur le banc. Et ben au final, ça lui a donné les mains libres. Et je pense que l'OL ne veut plus faire les mêmes erreurs que le passé parce que justement. Non, ben si on répond à ça, on va rester 20 minutes en plus. Hein. Mais du coup, ce que je disais, c'est que l'OL aujourd'hui, je pense qu'on est sur la prudence. Ça veut dire que on essaie vraiment de prendre les choses, tu sais, entre guillemets, match après match. Même la décision de garder Sage, elle a été match après match. Elle s'est pas faite en mode, c'est bon, il a 3 victoires, ok, on y va. Non, on attend, on attend. Ils l'ont prolongé à un moment jusqu'à la fin de l'année. Donc Ouais, du c'est que coup. c'est totalement Roten le chèque. Mais Totalement. au final, bon, voilà, je finis sur ça. Je pense que l'OL, en fin de saison, va comprendre qu'un entraîneur aujourd'hui de la qualité de Pierre Sage avec un nom ne vient pas à l'OL à moins que tu le blindes ou qu'il Oh, soit en ça veut rien situation dire. de blessure. Ça veut rien dire, la vie. Ouais, non, mais du coup, j'allais dire. Un mec de la qualité de Gerlinger, 18 ans Bayern Munich, ne vient pas à Lyon. Ah bah si. Ouais, Merde. même tu fais venir le patron de l'équipe, tu sais, quand t'es chef Ouais, de médias, c'est c'est un truc vrai. de ouf, t'as tout le pouvoir, t'as la Textor, il nous patte pour dire surprend non, tous les non, il jours, est hein, je sûr. vais te dire. Il arrive à bien lui vendre le Il est projet. capable de tout. Moi, totalement Non, mais d'accord, une mais chose la est sûre, c'est que, prestation, juste on pour n'a pas répondre le trois temps secondes à d'évoluer. la ville, il est pragmatique, mais il n'a pas hésité à virer tout le staff de Molenbeek qui venait de monter. Donc, il n'y a pas que les résultats qui comptent. Toi, Paul, du coup, alors, tu fais quoi de notre ami Pierre Sage et tu penses que le Mais il club a va déjà faire quoi? répondu, Ah oui, t'as Non, déjà mais comme je te répondu, disais tout à l'heure, excuse-moi. moi, Tu tous dois les jours, je développer. le garde, hein, bien évidemment, tous les Tu jours, je dois le garde, hein, développer. au vu de comment ça s'est passé, au vu de comment il nous a gardé, amené, comme disait la ville, Ah, c'est pareil, c'est pareil. les choix forts qu'il faisait, enfin bref, dans tous les cas, c'est obligé que tu dois le garder. Après, encore une fois, j'ai plus ou moins des légers doutes sur est-ce qu'il va le garder l'année prochaine pour pas garder, enfin, du moins obtenir un grand nom en termes d'entraîneur, je sais pas. Franchement, là-dessus, j'ai un Ben peu pour des doutes. répondre juste au chat, là, le mec a dit il vient pas à Lyon, il vient à Eagle. Je te signale que Gerlinger devait venir à Lyon à la place de Ponceau. Et finalement, il est au-dessus, il va à Eagle. Mais il venait à Lyon. Hein. Bon, il va à Eagle, c'est encore mieux, mais c'est pour lui, c'est une place de plus. Mais je te signale que Eagle, c'est Lyon. Hein. Donc les deux autres, ça compte, mais le principal, c'est Lyon. Donc quand Gerlinger vient, qui parle français, c'est pour s'occuper de Lyon chez Eagle. Mais bon, faut pas me dire, il est venu à Eagle, il n'est pas venu à Lyon aussi, il est venu à Lyon. Après, je pense que Voilà. ça modifie quand même, ça donne une diversité à ses missions. En tant que mec qui va à Eagle, il aura une mission qui sera plutôt une mission de coordination entre Bien toutes sûr. les équipes. Ouais. Et puis de te faire respecter au niveau européen, je pense que c'est surtout ça le truc. Les amis, on va devoir un petit peu avancer. On arrive à la surprise de l'émission. Les amis, le maître arrive. Monsieur Ken. Oh, Keno. Monsieur Ken, Bonsoir, bonsoir. mon fils Bonsoir, les caché, amis. mon Bonsoir, fils les amis. irlandais. Ouais, c'est ça, mon cher Jules. Bonsoir le chat, hein, bonsoir mes amis, bonsoir mes collègues. Je peux rebondir PJ sur le sujet ou pas? Je rigole. Alors attends, je vais faire comme ça et je vais te mettre Fais-toi plaisir, on a payé une présentateur. heure. On a payé une heure de Non, go thérapie, c'est non, non, mais t'inquiète pas, Ken, la prochaine fois, ce sera à ton tour, tu te mettras sur le divan. On verra quelle émission. Tu viendras à la place de Jules. Il y aura aussi un nouvel abonné et on va faire ça. Alors, juste un truc, les gars, dans le chat. On va faire un petit quiz que Monsieur Ken nous a préparé ce soir. On espère que c'est quelque chose qui pourra revenir dans plusieurs émissions. Les teams, elles sont claires. La ville et moi, les présentateurs contre le chroniqueur et contre l'abonné qui passe en direct. Les gars dans le chat, Bravo Paul pour ta victoire. vous avez le droit évidemment de donner des réponses.
Vous pouvez aussi donner des fausses réponses. C'est ça le jeu aussi. Vous avez le droit de nous piéger. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais laisser notre ami Ken nous présenter les règles, nous présenter le jeu. Si je me permets, très bien. Donc, j'ai défini. D'où j'ai défini. Bon, par contre. Et c'est possible de m'enlever tout machin. Bon. J'essaie, attends. Voilà, on va se mettre comme ça, du coup. Du coup, vu qu'il y en a beaucoup qui parlent, j'ai préparé des petits cartons. Bon, il y a la lumière. Vous avez un carton rose, bon, qui est un carton rouge. J'avais pas de rouge, les gars, donc désolé. Un carton rose qui est le carton rouge pour des personnes qui vont parler pour rien ou commencer à m'enquiquiner, parce que c'est moi qui définis les règles, bien sûr, mes amis. C'est moi l'arbitre dans le jeu. Et le carton jaune. Donc, le carton rouge, ça veut dire que tu es limite direct. Le carton jaune, ça veut dire que tu as… Des formations professionnelles. Quelques secondes, voire quelques minutes de suspension à ma guise, bien sûr. Donc, hier, on m'a appelé Kim Jun-Jul, hein, quand même. Les équipes… Ouais, non, des formations professionnelles, le gars. Bon, allez, la ville, ton rouge, allez, tu dégages. Ouais, voilà, bah, bravo. Je te mute, la ville. Non, tu peux le dégager carrément du live, hein, si continue. Bref. Donc, il y a trois équipes. L'équipe rouge. Qui est l'équipe rouge? Ah, c'est la ville et moi. La ville et toi, ok. L'équipe rouge, l'équipe bleue, donc Papy et Paul, si je comprends bien. Ouais. Et j'ai mis le chat. Donc, je vais essayer d'être à l'affût au niveau du chat pour voir les réponses. Donc, en fonction des réponses, je peux vous demander une énigme, une devinette. Je peux vous demander un nombre de choix sur une réponse. Je ne sais pas si je me fais bien clair. Et il y aura une possibilité de point bonus si je vous demande un peu plus que la réponse. Donc, ça comptera un point bonus, tout simplement. Donc, est-ce que les règles sont claires, nettes et établies pour vous, mes amis, et pour le chat. C'est vrai que dans le chat, je vois des OK. Dans le chat, ils expliquaient un truc. C'est vrai que pour le coup, tu as le physique de l'arbitre aussi. Ouais, ben c'est quoi, j'aurais bien aimé être arbitre, mais je pense que j'aurais beaucoup d'envoi avec les joueurs, malheureusement. J'ai pas un body language trop sympathique, à mon avis. Donc. Vas-y, on est prêts du coup, les gars? C'est parti? Ouais. Mignon! C'est parti. Vas-y, donc on doit dire la couleur, hein, faut pas oublier avant de dire, c'est bien ça. Non, ça, c'est pas faire. Attends. Pigi, merci de me rappeler. Heureusement qu'il est là, mon cher Pigi, très intelligent. Avant chaque, quand vous voulez donner une réponse, vous devez dire le nom de votre équipe. Donc, c'est-à-dire l'équipe rouge, l'équipe bleue, voilà, etc. Bref. Et le chat, il donne quoi comme nom? Le chat, ils font ce qu'ils veulent. Le chat, c'est les invités, c'est d'accord, ils ont un passe-droit. Oh, c'est nul, ça. Alors qu'on criait la réponse, ça suffit, quoi. Je pense que t'es pas loin du carton, je m'en charge, calme-toi. Ouais. Les gars, faut lancer la partie. Là, moi, je vais me faire gronder par le patron. Faut y aller, les gars. Non, on a le temps. Eh. Donc, dernière chose, bien sûr, comme vous êtes deux, s'il y a une des deux personnes qui donne une mauvaise réponse, elle peut plus répondre. C'est la deuxième personne qui peut que répondre. Ok. Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Première question. Donnez-moi les 10 plus gros transferts de l'OL. De l'histoire. Rouge. Rouge, tu peux? Tu peux commencer ou pas? Ouais, vas-y. Ok. Dombélé. Attends. De vente ou d'achat? De vente ou d'achat? Les 10 plus gros transferts avec le montant. D'achat? Non, mais on est encore là demain. Les deux premiers. Les 10, non mais 10 parce que vous n'avez pas tous les trouvés, donc il y aura des. Eh, c'est moi qui décide ou pas? Vous allez avoir une. Ah ouais, mais là, on fait qu'une seule question. C'est impossible. Attends, mais du coup, c'est les ventes ou les achats? Le nom du joueur est un bonus si tu donnes le alors montant. Déjà, Mangala. Attends. Il a dit vente. On est dans la même équipe. On est dans la même équipe. Les Mangala, non, parce que t'as une bêtise, la ville. Les 10 plus gros transferts qu'on a, oui, en achat, si tu veux, d'accord, avec le nom et le montant. Parce que pour moi, transfert, c'est achat et vente. Hein. C'est la même. Il faut qu'on joue, les gars. Vas-y, on change de question. Elle est trop compliquée, Ken. On va pas s'en sortir. Passe à la deuxième. Je suis désolé, mais elle est compliquée. Allez, Ken. Je commence. Mangala. Attends, t'en donnes un. J'en donne un. Bah, JRA, 25 millions. JRA, oui, c'est bon. Alors, bien sûr, mon galin, on ne compte pas les transferts récents parce qu'ils n'ont pas été réalisés. Voilà. D'accord. Bah, Guimarães. Donc, bien sûr. Donc, Jeff, c'est en numéro 1. Ouais. Le Jeff Renaldi Lahid. Yeah. Bruno Guimarães, c'est en 8e position. Ouh, c'est bon. On a eu chaud. C'est à moi, là. Non, mais c'est chacun son tour.
Non, mais c'est chacun son tour, les gars. C'est chacun son tour au niveau des équipes. Là, tu as donné une bonne réponse. L'autre équipe. Ah, donc c'est à nous, là. Oui. Comment il s'appelle, punaise? Le numéro 6, là. Thiago Mendes. Thiago Mendes, c'est bon. Gourc, mais il était nul. Attendez, les gars. Non, c'est à Paul, là. Excuse-moi, Ken, je suis désolé, il faut qu'on change de question parce qu'elle est trop longue. On va passer une demi-heure dessus. Passe à la question 2. Parce que sinon, c'est trop long. Passe à la deuxième question, s'il te plaît, Ken. Passe à la deuxième question. Eh, Bigi, il a loué le stream. Oui, les gars. Allez, vas-y, Ken. Allez, c'est bon. Deuxième question. Voilà, il est là. C'est pour ça, moi, je le vois, le patron. Une demi-heure, t'inquiète. Une demi-heure, l'émission. Pas plus, Ken. Oui, je veux les 100 derniers joueurs de l'OL. J'en demande que 10. J'en demande que 10. Et la pointure des chaussures aussi, les gars. J'en peux plus, je suis là, moi je regarde, et l'autre il me dit, merci Nat. Ça va aller vite, 30 minutes, ça va aller très très vite, mon Julien, il me dit, mon PJ. Allez, bonne émission, bon Ken. Allez, pourtant, d'habitude, Ken, il nous balance des questions, j'arrive pas à répondre. Allez, bisous, hein. Bisous à tous, je suis là. Ciao, c'est très compliqué, hein, normalement, c'est chaque équipe répond chacun à son tour, et s'il y en a qui peut pas répondre, bah, c'est à l'autre équipe de répondre, hein. Ça ira très vas-y, bien. Vas-y, on reprend, on enchaîne. Bah, c'est à nous là, c'est à Paul. On est toujours sur la question, du coup vous switchez pas. Les gars, si vous m'écoutez pas, c'est chacun des équipes répond, d'accord, chacun son tour au niveau des équipes, d'accord. Donc Paul répondra par la suite, et si la ville ne peut pas répondre, vous passez à l'autre équipe, ainsi de suite. Ok, bah voilà, moi j'enchaîne. Rouge, Joachim Andersen, 25 millions. Joachim Andersen, c'est bon, en deuxième position, c'est 24. C'est à vous. Ah, c'est à nous. Oui. Eh ben, Paqueta. C'est à Paul. On est d'accord, c'est achat-vente. Achat-vente. Non. Achat. Échangez pas les règles à chaque fois. Ça se voit, Paul, il est parti sur Google, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, regardez les yeux de Paul, il triche. On avait, comment il s'appelle, Gourcuff, 22. Gourcuff, c'est bon, 22 millions, et 20, ça fait 2 points. Monsieur l'arbitre, il triche. Ça fait 2 points. Oui, regarde, là, regardez ses yeux, il bouge. À toi, PJ. C'est n'importe quoi. À vous. Vas-y, moi, je vais te dire, du coup, Ali Sissoko, 18 millions. Ali Sissoko, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, merde. Eh ben, on a gagné. Non, il y a moi. PJ ne peut plus répondre. C'est à moi. Ah, d'accord. Moi, je le dis. C'est à l'équipe bleue et la ville ne pourra que répondre. Moi, je dis Memphis Depay, 24 millions. Memphis Depay, c'est pas bon. C'est pas dans les 10 ? Non. Alors, ils n'ont pas compté les bonus, alors. Moi, je dis Lisandro Licha. Lisandro Lopez, 24 millions. 21. Sandro Lopez, c'est en troisième position et c'est 24 millions et c'est bon, ça fait 2 points pour l'équipe. De fou, Nassim, de fou. Et merci le chat. L'équipe bleue. Ah bien, regarde le chat, bah d'accord, il triche. Bon, l'équipe bleue. Bah oui, mais non, moi je n'ai pas le chat. Il regarde Wikipédia. Je sais même plus où on en est, dans quel on a fait les combien là. Passe à la suivante, Ken. On va pas passer à la question suivante, on s'en tape. Passe à la suivante. Vous savez quoi, on va faire du mort subite. Donnez-moi des joueurs qui sont passés à la SSE et à Lyon. Voilà, donc allez-y. Coupé. Bleu. Coupé. Jules, t'es éliminé, t'as pas donné ta couleur. Les rouges. En plus, c'est rouge, je vais dire Gomis. Gomis, c'est une bonne réponse et c'est un point pour l'équipe rouge. Il y a deux. Du coup, là, c'est nous. Vas-y. La ville continue. C'est à Paul. François Clair. Mort subite. François Clair, c'est bon, c'est un point. Ok. Rouge. Mamadou Dabo. Mamadou Dabo, c'est bon. Un point. À toi, Paul. Kolodzevac. C'est bon, c'est un point. Oh, bien joué. La prononciation, monsieur. Monsieur l'arbitre. Ouais, c'est moyen, ça. La ville, c'est jaune. T'es disqualifié pour cette partie. Allez.
Il reste que Pigi dans ton équipe, et Paul. Bah vas-y, bah moi je vais dire rouge coupé. Coupé, c'est bon. Un point. À toi, Paul. Bonne chance, Paul. Ah bah oui, 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 il y en a des évidents, ouais. Allez, 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 tout le monde le dit là dans le chat. Si c'est trop long, je passe à Pigi. Malbranque. Malbranque, c'est bon. Ah, mais t'as posé la question hier. Ben oui. Et moi, je vais te dire rouge parce qu'en plus, il a oublié sa couleur. Et moi, je te dis la combe, évidemment. La combe, c'est bon. Pour sauver le club. À toi, Paul. Vous avez 10 secondes. Je compte. Oh my God. Comment il peut dire ça? Mais comment on peut dire ça? Ah, c'est chaud. C'est sérieux, ça? La casette? Allez, Paul, c'est fini. T'es éliminé. Pigi. Désolé, Jules. Bah, je vais t'en donner un. Piquionne. Voilà. Allez, bon, bravo. Allez, on continue, mes amis. Je vais essayer de faire vite. Papy, ça va? Alors. C'est bon, tu peux rejouer, papy. Tu peux rejouer. Reviens, reviens, reviens. Donnez-moi, les amis, le top 10, le top 10 des meilleurs buteurs de l'OL, de l'histoire de l'OL. On se rattrapera. Rouge, rouge, Lacazette. Ok, t'as rien d'autre à me dire? Ah non, c'est poursuivi. T'as un but, t'as un nombre de buts, tu vas avoir un point bonus, un nombre de buts. Ah non, je sais plus. 200. Okay. Dans une heure, on a encore l'émission. Un point. T'inquiète. À toi, à vous l'équipe bleue. À toi, Jules. Allez, allez, Jules. Jules. Allez, Jules. Vas-y, Jules, je te sors. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur, vous étiez un bon client. Bah, allez, Jules. Papy, il est plus en live. Oh, oh, il est parti, il est parti, parti. La combe, du coup. Elle dit, il est vraiment parti en plus. Il s'est vraiment déconnecté. Il s'est vraiment déconnecté. Vas-y, fais une dernière question. Fais une dernière question en morceaux. Bon, allez, je vous donne des énigmes. Ça sera mieux, ce sera plus simple. Vas-y, vas-y. Allez. On en fait deux. On en fait deux, Ken. On en fait deux. Qui a dit? Ce soir, c'est à la vie, à la mort. On ne peut pas quitter ce stade sans avoir tout donné. N'ayez aucun regret. Bonne chance à tous. Un mec de l'OL. Oui. Un joueur. Toujours dans le cadre de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur. Waouh. Elle est dure, celle-là. Il y a eu la réponse dans le chat, mais bon. Est-ce que ce serait pas lui? Anthony Rouge, Anthony Lopez. Nouveau, hein c'est Rouge, pas... Anthony non. Non, la ville. L'équipe bleue. Alors, je répète pour papy, comme il n'était pas là, ce soir, c'est à la vie, à la mort. On ne peut pas quitter ce stade sans avoir tout donné. N'ayez aucun regret. Bonne chance à tous. Jean-Paul Lopez. Jules Papigone, c'est une bonne réponse. Ah, mais je n'ai pas dit bleu, mince. Oh là là. C'était à vous. C'est une très bonne réponse. Un arbitrage de Ligue 1. Ah, là, on est sur un pire. Eh. J'ai dit, l'équipe rouge a donné une mauvaise réponse, c'était à l'équipe bleue tout simplement. Donc, c'est Lisandro Lopez lors du match Real Madrid, l'OL, où il y a eu un partout avec le but de Pjanic. Le but oh, de magnifique. La de Pjanic. En parlant de ouais, c'est ça. Donc, allez, je vous en donne une dernière. Qui et dans quel match a surnommé pour la première fois Alexandre Lacazette, le général? Oh, qui est donc c'est lundi c'est quelqu'un du ah vas-y je vais dire Tolisso non équipe rouge Umtiti non allez on refait un tour de table et après je donne la réponse moi je sais pas hein. Bleu Gonalo ah il y en a un ah bien joué ah, je pense que je l'ai vu dans les commentaires ouais. Alors elle répond il y a eu la réponse dans le commentaire. Il y a eu la réponse du commentaire en tout cas. C'est qui? Ouais, mais j'ai pas le commentaire. Donc je vais donner le point au chat en tout cas. Bah oui, c'est bien vu au chat. C'est Philippe Génin sur Beansport lors du match Lyon Ice Rome. Ah, je pensais que ça allait être. Tu vois, je pensais que c'était Bartoli. Il a appelé le général Lacazette pour la première fois. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Tout simplement. Bah écoute, merci Ken.
pour ce moment, je sais pas comment on va le qualifier. Inoubliable. Dans ta logique. Vous êtes très indiscipliné. Ce premier live, ce premier quiz, on va le retravailler, les amis. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le charme de l'émission. En fait, l'émission, elle était censée être construite comme ça. Elle va évoluer. Allez, j'en ai une dernière. J'en ai une dernière. Ah, vas-y. Non, mais. Vas-y. Allez, vas-y, la der, mais ça fait une heure. Quel est l'exploit unique de l'OL qui a jamais été galé dans le championnat de Rouge, bleu. Nabil, les 7 titres de champion de France d'affilée. Et c'est une bonne réponse, mon cher Nabil. Bravo. Oh, le papy. Qu'est-ce qui se passe au papy? Normalement, on ne devrait pas avoir le droit de donner la réponse si on n'a pas assisté. J'ai assisté quand j'étais petit. Les gars, vous êtes marrés ce soir, vous avez passé une bonne soirée. Dans le chat, dites-moi là, vous avez passé une bonne soirée? Vous êtes bien marrés, ça va, c'était cool. Pour la première, donnez un peu votre impression. Ah, celle-ci, j'aime bien. Notre technique moins 5, notre comique 20. C'était un peu l'émission. Les gars, franchement, ça me fait plaisir, on est 200. Franchement, les gars, mettez tous les pouces. Ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment, abonnez-vous. J'espère que vous avez bien kiffé. Ouais, la petite ambiance, on est tranquille comme ça, c'était bien cool. Merci à toi, Paul, d'être venu. Avec plaisir, merci à vous en tout cas. Super. C'était vraiment super. Peut-être sympa. Peut-être que tu repasseras la semaine prochaine. On aura, j'espère, un autre abonné de qualité. Mais t'as mis la barre très haut, mon ami. T'as mis la barre très haut là. D'ailleurs, Pigé, excuse-moi, ça demande dans le chat comment on fait pour s'inscrire. Les gars, n'hésitez pas. Hein. Mais donne-leur les. S'inscrire. Attends, Julien, commentaire. Excuse-moi. Ah, c'est Thiago encore, mais il a raison. Alors, comment on fait pour s'inscrire, les gars? Vous verrez, en fait, Julien, il partagera sur ses réseaux. Un lien dans lequel en fait vous donnez votre nom, votre adresse mail, moi je vous recontacte, je vous appelle, on discute, on essaie de voir une date, un truc, comment ça peut se passer, et on organise ça donc pour les prochaines émissions. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Paul d'avoir été plaisir. Là merci beaucoup monsieur Ken pour toute cette préparation. Jules, merci de m'avoir accompagné sur cette première, en plus on était tous les deux au début, donc voilà, merci la ville, mon ami, mon co-présentateur. Donc voilà, quand je galère avec les bannières, avec tout, avec les commentaires, c'est toi qui va m'aider à maintenir cette ambiance. Donc voilà, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez vraiment kiffé. C'était top. Franchement, on était 200 en direct. J'ai grave kiffé. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. L'émission, je peux faire un dernier mot de la fin? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je te coupe juste deux secondes. C'était pour déjà vous remercier de m'avoir fait passer et aussi surtout pour vous dire de continuer, ce qui est le but de la gonthérapie, de nous faire vibrer quand merci. L'OL n'y arrive plus à le faire, parce que je pense que c'est important et que tout le monde dans le chat justement pourra le dire, que ça fait vraiment du bien de vous avoir trouvé et retrouvé et de parler comme si on était avec nos potes, nos cousins, nos grands frères, l'oncle, la tante, quoi que ce soit. Et ça fait vraiment plaisir d'échanger, de vraiment dans les moments difficiles et de voir qu'au final, l'OL, c'est quand même une grande famille et que du coup... on peut vraiment en discuter et se retrouver et donner un peu de baume au cœur. Donc franchement, continuer à vibrer quand l'OL n'arrive plus à le faire. Merci Paul, ça fait plaisir. Et comme je disais les gars, cette émission, on la retrouve toutes les deux semaines. Donc les gars, on se dit à dans 15 jours. Bonne soirée, bye bye, ciao. Ciao tout le monde.